Bonjour à tous! Salut! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog d'une journée, parce qu'on passe la journée entièrement ensemble du coup. On ne sait pas encore tout à fait ce qu'on va faire. Les magasins! À part les magasins, ouais. Du coup, là, on est sur le parking de Noz. On va regarder 2-3 petites nouveautés et tout. Et je pense qu'en fait, on va aller faire notre curieuse dans un peu tous les magasins comme ça. Parce qu'on va faire ça ce matin. Et on fera ça cet après-midi aussi à Limoges, comme c'est plus loin et tout. Et on veut tester la gaufre gourmande à 4h. Ça va être sympa. Ça va être une grande histoire, ça, je pense. Puis là, on va aller à Aldi. Enfin, voilà, on va faire plein de trucs comme ça. Du coup, bah, c'est parti! Let's go. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. Déconcentré dans son rond-point. Je suis contente, j'ai trouvé plein de trucs à Noz. C'était super chouette parce qu'en ce moment il y a plein de trucs de loisirs créatifs. Donc moi je suis trop contente. Il y a les cadeaux de Noël et tout. Franchement, top. C'est incroyable en ce moment les arrivages Noz. Je trouve ça très très sympa. Donc là on va faire un petit tour à Aldi parce qu'on n'y va jamais. Mais il y a des bonnes affaires souvent en fruits et légumes. Et puis bah, pour fouiner dans les bacs hein, comme d'habitude. Hop là. Hop là. Bien garé. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe. On est rentré de notre première session shopping, donc on a mangé ensemble avec Chouchou et on s'est fait une petite ouverture de Pins Mystère version Halloween Disney. Je vous la mets dans le petit parce que quand ce vlog sortira, vous aurez déjà eu cette vidéo. Mais au cas où vous ne l'ayez pas eu, ben, je vous la mets dans le petit i pour que vous puissiez la voir. Franchement, gros coup de cœur, ça faisait super longtemps que j'avais pas été aussi contente de goodies Disney Mystère. La qualité est incroyable et les détails sont assez fous. Donc je trouve ça vraiment cool. Donc là, Chouchou, elle va avoir rendez-vous chez le dentiste. Donc on va se séparer 2 petites minutes. Et ensuite on va aller faire ce qu'on avait dit, gaufre gourmande, etc. Je vais voir où c'est d'ailleurs. Ouais, on va regarder l'adresse pour savoir où c'est qu'on se gare aussi. Et qu'est-ce qu'on peut faire autour. Je pense que le temps que tu ailles chez le dentiste, je ferai un petit haul d'abord de ce que j'ai pris ce matin moi. Du coup toi t'as pas acheté grand chose je crois. Non, juste des bonbons et puis un jeu de cartes. Je crois que c'est tout. Chouchou, elle a pris ça pour la soirée d'Halloween chez Mélodie. Donc, ce sont des petits cerveaux avec de la poudre qui pique dedans. Donc, ça peut être très drôle, c'est des trollies. Petit jeu qu'elle a acheté à Noz. En plus, tu as vraiment pas acheté cher, 1,99€, un truc comme ça. 1,99€. Ouais. Et puis, les cartes sont belles, j'espère que le jeu va être sympa. Bah, on testera assez prochainement et puis on vous tiendra au courant. Comme on est en vacances scolaires, bah, je pense qu'on va se mettre à faire pas mal de jeux de société avec Aubin encore. Bon alors les achats de ce matin c'est du mélanger Aldi, Noz et Action et j'ai trouvé des trucs plutôt sympas. Donc j'ai repris une peluche comme ceci, je les ouvre sur TikTok et alors celle-ci j'ai fait exprès de regarder dans le trou parce qu'il y en avait énormément des déjà déballés et bah, j'avais vu que je les avais déjà. Donc moi j'ai déjà eu Winnie l'ourson, Cendrillon et Stitch et là logiquement j'ai Blanche-Neige. En fait on voit par rapport à ici, on voit que la chevelure est plutôt noire et il y a le petit nœud rouge qui dépasse. Donc ça c'est une petite peluche Action. Les autres je pense que je les ai déjà en fait, c'était que du Winnie Stitch. Winnie Stitch, j'ai dit qui d'autre? Winnie Stitch et Cendrillon. Ensuite j'ai pris 4 petits ballotins de chocolat comme ceci. Donc c'est pour faire à nouveau des petites pochettes pour les filles de l'internat. Donc je vais faire des petites pochettes de chocolat dans la même idée. Alors ça c'est à Action et ça vaut 99 centimes.
Dans la même idée, j'ai pris des gros paquets de chocolat comme ceci, Lindt, parce que c'est des chocolats super bons. Je les ai pris à Noz, donc il y a noisette et chocolat normal, et ces chocolats, c'est une dinguerie. Donc j'ai pris 2 fois 500 g de chocolat pour pouvoir en avoir assez pour toutes les filles. Ensuite, j'ai pris un petit sachet comme ceci pour 79 centimes. Il y avait beaucoup de loisirs créatifs cette fois-ci à Noz, donc je suis trop contente. Des petits yeux mobiles comme ceci, ça peut servir à Halloween, mais aussi pour les activités enfants. Ensuite, j'ai pris des acryliques marqueurs comme ceci pour tester. Les pointes ont l'air d'être petites et tout. C'était 3,99€. Et sinon, vous en aviez à 7,99€, mais c'était 24 pièces. Donc, au cas où qu'ils soient pas terribles, j'ai pas voulu tester directement les 24 pièces. Et ensuite, il y avait ceci à Noz. Donc, 2,49€, c'est des plats Weight Watchers, donc les plats qui vont au micro-ondes pour justement le lisser pour manger le midi. Ou pour manger le soir quand j'ai ma pause à 18h15 et que le self n'est pas ouvert, c'est hyper pratique. Et ça, les Weight Watchers sont super bons. Ils sont très équilibrés en fait, justement, comme on a recommencé la salle avec Aubin. Enfin, comme on fait des séances à la salle de sport, bah du coup, j'évite de manger trop mal. Et comme là, le Nutri-Score est A, bah c'est super cool. Et dans le même thème, et puis c'était au même prix, 2,49€, c'était donc à Aldi. C'est des lasagnes pure bœuf, donc lasagne bolognaise. Et bah voilà, ma foi, on verra si elles sont bonnes ou pas. En tout cas, c'est pareil, le Nutri-Score est plutôt pas mal. Et généralement, j'arrive à me faire des repas assez équilibrés en prenant un petit bout de fromage et un petit dessert et tout. Donc voilà, je suis assez contente de mes achats. Faites douce toute place. Non, on va te regarder faire ta manœuvre. Super. Ne casse pas la voiture, on s'est filmé, hein. On saura qui est fautif. Je t'ai dit quand j'aurais fini ma manœuvre. Ah non, c'était déjà sur mes genoux quasiment en train de filmer. Oh. Attends, on voyait mon double menton. C'était pas en train de filmer, j'avais pas appuyé sur le bouton. Oui, mais j'ai décidé que le bouton il était bien assez gros pour que j'appuie dessus directement. Ok. Voilà. Bon. Elle est centre-ville. C'est de la merde. Il y a pire, il y a mieux, mais il y a pire. Non, ça va. Ben, du coup, on est passé à la librairie où j'ai posé récemment mes créations. Ben voilà, pour montrer à Chouchou quand même. Donc je pourrais ramener d'autres créations telles que des bijoux. Parce que là j'avais amené uniquement des marque-pages et des coupelles vide-poche. Donc il y a déjà 2 marque-pages qui sont partis, donc c'est plutôt chouette. Et des bijoux. Faudra y réfléchir, style boucle d'oreille. J'en fais pas souvent, mais je pense que j'amènerai des boucles d'oreilles. Ouais, ça te... Je vais t'embaucher toi, ouais, de toute façon, que... pour les vacances. Faut que je m'y remette, faut que je me remette à penser, à donner des idées, parce que ça me manque de t'aider un petit peu dans tes créations, même si je suis pas d'une très grande aide. Bah, pour les photos et tout, si, quand même, parce que t'as des idées, et puis rien que faire des photos portées, ça a rien à voir que des photos comme ça, Puis même des fois, quand je suis dans ton atelier et que tu me dis « Oh tiens, il y a tel breloque, est-ce que ça donnerait bien ?» Rien que le fait que tu le verbalises, ça peut peut-être t'aider, même si moi je donne pas forcément mon avis. Si, si. Parce que je fais pareil avec Aubin. Des fois, je lui pose la question et puis en fait, il me dit « Ah, je sais pas ». Et puis moi, je fais « Ah, oui, juste mais si. De le dire, en fait, si, en fait, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Attention, je croyais qu'il allait traverser le petit monsieur, alors que c'est vert pour moi. Il est trop jeune pour mourir. Un peu, ouais, quand même. Et du coup, là, maintenant, on va aller tester la gaufre gourmande. Donc, bubble tea avec des gaufres. Les gaufres, vraiment, les grosses, là, les grosses très grosses, tu mets tout un tas de trucs dedans. Tu mets tous les restes de placard. Non, il y a des toppings et tout, j'ai vu, assez énorme. Donc voilà, c'est parti. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Bon, il fait presque nuit. On est sur le retour. La journée a été plus longue que prévu.
Oui, un peu, oui, ouais, quand même. On ne s'attendait peut-être pas à rentrer si tard. Parce qu'il doit être quand même... Il est 19h. 19h. Donc, le temps qu'on rentre et tout, moi, le temps que je te pose à ta voiture et tout, bon, même le temps, on a à peu près après la même distance. Franchement, on n'est pas rentré avant 20h, check-in. 20h, 20h quelque chose. Mais déjà, rien que là, dans la voiture, il faut au moins 10-15 minutes. Ouais. C'était un petit peu long, mais c'était... Ouais, mais c'était cool. Très, très cool. On se fait un petit débrief de la gaufre gourmande, du coup. Ouais. Parce que nous, du coup, c'est nouveau, en fait, à Limoges. C'est que ça remplace l'ancienne truc de gaufre. C'était la gaufre d'Aisne. Place d'Aisne. Parce que c'est sur la place d'Aisne. Du coup, je sais pas si ça a vraiment beaucoup changé, parce que de base, je connaissais pas. Je suis jamais rentrée pour faire ces gaufres-là. Mais les gaufres de la gaufre gourmande sont très bonnes. Les bubble tea sont bons, du coup. Ouais. Je vous ai pas trop filmé, mais voilà. Chouchou, elle voulait me filmer dans les toilettes en train de changer mon... Enfin, en train de remettre mon aligneur et tout, mes aligneurs. Ouais, t'étais trop petite. Voilà. Trop étroite. Donc c'est dommage, vous avez raté ça, ce grand moment. Non, j'aurais dû te filmer quand elles enlèvent. Parce qu'elle était toute gênée, qu'il y a un petit peu de bave, et j'étais en mode... C'est normal. Les gens, ils vont pas être comme ça. En revenant, enfin plutôt demain, à la lumière du jour, je vous ferai un petit haul, notamment Micromania et Normal. Dans le petit poche, hein. Ah oui, c'est pas drôle. Je sais pas si c'est enregistré Pilasco quand tu l'as dit. Non, mais par contre, ce serait hyper drôle. J'aurais dû te filmer. Ouais, avec ma chaussure pleine. Et toi, avec tout ce sac. Oh, mais ça, c'est pas le bout du monde. Si, c'est la fin du monde. Excusez-moi, mais... Alors du coup, je vais vous raconter ma petite story team. On te voit quand même. Alors, ce matin, je rejoins Manon. Donc, dans ma voiture, tout se passe bien. Je sors et tout, je me garde dans son petit parking. Donc, tout va bien, je monte et tout. Et je redescends et on part faire les magasins. Putain, je lui dis, mais Manon, ma voiture, elle pue, là. Je comprends pas. Donc, au début, je me suis dit, Manon, tu pues du cul, là, dis donc. Ah, il est sympa, il est... Non, mais je me disais... Après, elle me dit, ça a peut-être l'odeur de la ville parce que ça, on a une usine à côté qui sent un petit peu. Donc, je me dis, effectivement, ça pue, mais peut-être pas forcément la merde. Mais ça faisait très litière, très... Ça pue, ouais, pas ouf. Et en fait... Je monte une première fois et en redescendant une deuxième fois et en remontant une deuxième fois, j'enlève ma chaussure et je fais « Non mais Manon, elle a des trop vieilles chaussures, je suis sûre, elle avait la marché dans la merde il y a longtemps quoi. » Je soulève ma chaussure, une grosse merde, mais comme ça. Et puis c'est sympa, j'avais pas du tout des chaussures à crampons, donc pas du tout pris dans toute ma chaussure, mais vraiment un truc énorme et je me dis « Mais comment j'ai fait pour pas sentir ça sous ma chaussure ?» Déjà ça rajoutait moins 500 grammes au poids de mon pied. Et en plus de ça, mais je marchais comme si c'était une balle de ping-pong sous mon pied. Donc je me dis, putain, mais c'était vraiment une grosse merde, mais une grosse merde de chien. Et en fait, je me suis rendu compte que en retournant à ma voiture, c'était la merde qu'il y avait sur le petit parking auquel je ne m'étais jamais garée. Et en fait, je ne pouvais pas l'éviter parce que j'étais coincée contre un mur et mon pied devait forcément marcher ici. Donc dans mon malheur, c'était le pied gauche, donc ça va. Mais ouais, j'ai... pas trop kiffé parce que c'est Manon qui a dû me l'enlever en plus de ça, parce qu'elle était partie à la pharmacie juste en bas et elle m'a quitté genre allez 2 minutes parce que c'est vraiment juste à côté de chez elle. J'essaie de l'appeler parce que je suis en bas des escaliers à avoir des réflexes vomitifs tellement je ne pouvais pas ni regarder ni sentir cette crotte de chien. Donc moi le premier truc que je dis à Manon c'est Manon, il faut que j'aille m'acheter des chaussures parce que j'ai marché dans la merde et que je suis incapable d'enlever cette merde sous ma chaussure. Donc je lui dis ce qu'on va faire, c'est que je vais y aller avec qu'une seule chaussure, aller m'acheter des nouvelles chaussures. Elle me dit, ah c'est bon, elle a pris un sac poubelle, ma chaussure, elle a enlevé en deux, elle a frotté avec des contentiges, elle m'a tout bien nettoyé, ma chaussure, elle est comme neuve, elle est, ah tiens. Mais moi je peux pas, ça me dégoûte, je sais pas comment je ferai avec des gamins, même avec mon chat, hein, c'est la même chose. Il a, non monsieur, allez. T'es suicidaire, c'était rouge pour toi. Hein. Beaucoup de gens qui ont envie de mourir sur la route en ce moment. Mais même avec mon chat, une fois il avait un peu caca collé au cul là. Tu sais, on m'a dit c'est si mal et tout. Pas de sa faute, il était tout petit. C'est ma mère qui lui a nettoyé le cul. Elle m'a dit, mais regarde, je lui dis ça va, tout va bien. Non, je peux pas, je pouvais pas regarder mon chat. Ça me dégoûte. Donc voilà, fin de la story team. Voilà, et on rentre à la casse-bar. Allez. Salut. Salut. Alors avant de clôturer ce vlog, je vais vous montrer mes achats à Micromania et Normal. Donc on a eu grave de chance hier, c'était un jour où il pleuvait pas trop. Et là franchement c'est le déluge, donc franchement on a vraiment bien fait.
Alors, vous l'avez vu sur le dessus de la poche, j'ai donc pris en pop vilain Disney Evil Queen, donc la méchante reine de Blanche-Neige, dans la nouvelle collection des vilains Disney. Il va me manquer Capitaine Crochet et Maléfique, logiquement. Donc 4 sur 6, c'est déjà pas mal, j'avance un petit peu la collection. Ma précommande avait été annulée parce qu'entre temps j'ai déménagé et en fait la précommande il voulait pas que je change d'adresse, donc du coup bah, j'ai tout annulé. Ensuite j'ai pris le petit Givrali, franchement trop mignon, logiquement je l'avais pas celle-là, j'avais bien Aquali mais pas Givrali, donc très 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 contente. C'est la série des Pokémon, ça se complète. Je n'ai pas pris les nouveaux Starter, parce que comme c'est des Pokémon que je connais beaucoup moins, bah je me suis dit, bon, c'est pas la peine. C'est le lapin de feu, là, genre Pyrobut, je crois, le lapin de feu qui fait du football. Et ensuite, troisième thème, trois thèmes différents. J'ai pris celle des noces funèbres, j'ai déjà celle de Emily, donc j'ai pris celle de Victor. Je suis mais tellement contente, j'adore ce Tim Burton, c'est les deux pop où je fais l'exception de prendre bah, du coup des pop qui ne sont pas Disney et pas Pokémon. Et ensuite il s'agit de mes achats à normal, j'en ai eu pour 13€, franchement j'ai pas dépensé grand chose. J'ai pris un mascara marron de la marque W7, un mascara effet fossile de la marque W7 aussi. J'ai pris toujours de la même marque un crayon noir rétractable, il me semble logiquement, enfin c'est un crayon noir tout basique. J'ai pris des élastiques comme ceci parce que j'en ai plus du tout au poignet pour m'attacher les cheveux et tout, pareil très basique. Et j'ai pris ce petit lot de 10 petits sachets pochettes candy bag pour Noël. Alors je pense m'en servir plutôt d'emballage papier cadeau et non comme pour mettre des sachets de bonbons, enfin comme sachets de bonbons, mais je l'ai trouvé le design très très mignon. Et voilà un petit peu pour ça. Pour les 3 pop j'en ai eu pour 41€ quelque chose, donc 42€ les 3 pop, c'était assez raisonnable. Celles-ci ils les ont ressorties pour Halloween, du coup il y a un grand stand de pop Halloween, je crois qu'elles sont la majorité à 19,99€ parce que c'était des discontinués il n'y a pas très très longtemps. Donc bon, franchement très contente de la journée, je pense que Chouchou était très contente aussi. Ce vlog du coup je l'ai filmé pour le mois d'octobre mais je pense que vous l'aurez au mois de novembre. Après, ça change pas grand-chose. J'espère que ce vlog vous aura plu tout de même. J'espère qu'il vous aura diverti. J'espère que ça vous aura fait plaisir d'avoir Chouchou et moi dans la même vidéo. Et sur ce, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos ou pour de nouveaux vlogs. Ciao !